Moi, j'aimerais qu'on finisse peut-être plus la France. Belge. Humblement. Humblement. J'aimerais qu'on finisse la boucle peut-être avec Épine et des roses. Pas d'épine, pas de rose. Pas d'épine, pas de rose. cet album-là, on sent que le texte est un petit peu plus hard que ton plus récent album. Ouais. Une fois que tu as signé avec E47, est-ce que la direction artistique, elle a un peu changé? Est-ce qu'on t'a suggéré de changer un petit peu ton texte, puis mettre ça un peu plus, je sais pas, changer vrai, le cadre? En vrai, non, parce que quand j'ai... Entre Pas d'épine, pas de rose et ma signature, j'avais déjà pris une courbure. J'avais ok, t'avais déjà pris une autre tangente. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, genre, je m'en allais déjà vers ce que j'allais devenir. Là. Ok. Ce qui fait pas de sens, ma phrase. Mais je m'en allais... Bah, tu sais, comme Booba, il dit « je veux devenir ce que j'aurais dû être ». Il dit un truc comme ça, c'est un peu dans le même style, tu vois. Ça fait de sens. C'est profond, ça. On a très bien compris ce que tu voulais dire. Donc, le style un peu plus comme Karim Ouellet que ouais. Tu pratiques aujourd'hui. Ouais. C'est pas mal vers ça que tu t'en allais avant même d'être signé. C'est ça, puis c'est ce qui a fait que j'ai été signé, parce qu'en bout de ligne, ça a été des frissons sur IG. Ou que je m'en allais vers ceux qui m'ont fait repérer par Camaro. Ok, c'est pas, c'est comme tu disais, c'est pas ton premier album. C'est ça. Mais moi, enfin, perso, tu vois, j'ai écouté les deux. Moi, ton premier album, il m'a beaucoup plu. Ah ouais? Ben, en fait, j'ai retrouvé une énergie, justement, un peu plus. Street? Ouais, bah ouais, c'est ça, je pense, qui m'a plu aussi, tu sais, c'était un peu plus sombre, un peu plus street. Plus raw, c'est ça. Même les, tu sais, les prods, y en a une qui est un peu boom bap. Dites-leur, je crois. C'est ouais, dites-leur, je sais, ouais. Il y a Braquage aussi qui est assez féroce. Ouais, c'est ça, je trouve, il y a une niaque, qu'on retrouve pas, mais tu comprends pourquoi, tu sais, t'as pris une autre. T'as pris une autre tangente, c'est ça. T'as pris une autre tangente, ouais. Comme t'as dit. Mais je trouvais que l'exercice, et encore plus quand tu me le dis, en fait, que tu as tout produit, tu as fait en autoproduction, bah, non, je trouve que c'est un beau projet. Ben, ça fait plaisir. Parce qu'en vrai, moi, j'ai un peu comme oublié cet album, puis je me suis arrangé pour jamais en reparler vraiment. Ben, on puis est dans là. Ouais. Là, c'est quoi, on parle de tout. Non, mais c'est bon que vous avez fait les recherches, parce qu'en vrai, moi, j'en aurais pas parlé. Okay. Parce que selon moi.